Si c'était un pro-russe qui t'a fait déclaration ça, en pile monde t'a dit c'est propagande. C'est fanatique la Russie qui besoin faire éloge pour l'armée pays la Russie. Mais lorsque c'est général Christopher Cavoli qui fait, li loin pour le travail en propagande. Général Christopher Cavoli qui est responsable commandement l'armée pays États-Unis d'Amérique pour Europe, il déclarait devant commission force armée chambre représentant que la Russie disposait d'une puissance de feu considérable et effectif yo supérieur par rapport à ça que yo te gagné dans début conflit. Mesdames, messieurs, incroyable mais vrai. Écoutez, après un an de guerre, des médias en pile parole à parler, la Russie affaiblie, la Russie faible, la Russie déjà perdu guerre. Mesdames, messieurs, écoutez, général Christopher Cavoli dit non, la Russie est disposée, une puissance de feu considérable et effectif la Russie yo supérieur à ça qui était gagné au commencement conflit. Gros cause qu'a parlé là. Mesdames, messieurs, gayen CNN qui rapportait plus de détails dans déclaration général Cavoli devant commission force armée chambre représentant des États-Unis d'Amérique. Prêtez attention dans déclaration général là parce que c'est vraiment important pour qu'on capable gagner information ça yo. Nan sou sa yo lorsque c'est moun sa yo ki pale. La Russie dispose d'une puissance de feu considérable. Et malgré des milliers de soldats tombés au combat, les effectifs actuels sont supérieurs à ceux du début de l'opération en Ukraine. Mesdames, messieurs, écoutez. Ou capable comprendre lorsque c'est États-Unis d'Amérique. Tout d'abord, nous connaissons que ces pays qui gagnent l'armée qui est puissante dans le monde jusqu'à date. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont dit un pays qui a une puissance de feu qui est considérable. À noter, si un ennemi, ce n'est pas un ami. Ni pas voulu faire trop éloge pour lui. Ni pas voulu faire trop éloge pour la Russie. Parce que la Russie c'est un ennemi. Mais lorsque ennemi a quand même dit tel pays a une puissance de feu qui est considérable, nous capables de tenir compte, mesdames, messieurs, c'est pas une déclaration qui pitié. Écoutez, Cavoli t'a retrouvé là tout. De pour retrouver dans siège ça, ou doit parler vérité pour plusieurs raisons. Cavoli t'a retrouvé le devant commission des forces armées, chambre représentant. Faut que li parle vérité. Et très souvent dans média yo, très souvent dans déclaration que politicien yo a fait, très souvent dans déclaration que peut-être yon moun a fait, yon pa di bagay pa yo. Mais ou elle devant commission ça, faut ou parle vérité. Parce que représentant yo a posé question. Yo même yo gen donné nan men yo, yo gen information nan men yo et ou là pour capable renseigner yo, faut ba yo bon gen information. Ou pas rabay au fond information. Très souvent, dans l'autre déclaration vient dans la presse, moun yo capable de parler, j'en yon vle. Mais là, ni important pour capable bay vérité à j'en lié. M'pense que là, en pile allié, et les États-Unis d'Amérique, bon, déclaration ça quand j'en mette, et ton même un petit problème là, kayo, mais, yo même pas beaucoup de pa yo, yo bay vérité à j'en lié. Et il était continué dans la déclaration pour que l'idée rapportait toujours CNN. La force terrestre russe a été quelque peu dégradée par ce conflit, mais elle est aujourd'hui plus importante qu'au début du conflit. L'armée de l'air a perdu très peu d'avions, seulement 80. Ils ont encore 1000 chasseurs et bombardiers. La marine n'a perdu qu'un seul navire, déclaré encore général Cavoli. Là, nous sommes capables de constater, il dit que
La Russie li perdit seulement environ 80 avions. Et yo t'ava disposé encore 1000 chasseurs et bombardiers. Mesdames, messieurs, l'armée de l'air là pour la Russie, nous capable dit il était très puissant. Et à noter une petite précision qui est extrêmement important pour ça qui gain rapport avec sous-marin yo. Général l'a fait connaître que les forces russes sont plus actives que nous ne les avons vues depuis des années. Les patrouilles dans l'Atlantique atteignent un niveau élevé, souvent supérieur à ce que nous avons observé depuis des années. Et cela, malgré tous les efforts qu'ils entreprennent à l'intérieur de l'Ukraine. On prête attention. Mesdames, messieurs, général là, dit touche un point qui est extrêmement important et qui est intéressant. Très souvent, nous qu'on a pensé à une confrontation, la Russie et États-Unis. Très souvent, tout y a des monde qui pas même pensé avec conséquences yo, qui pas même pensé avec niveau danger que li gen la donne. Quoi ça, général là, dit nous là? La même pays, la Russie, hein? Force sous-marin que yo même yo gen, hein? Yo très actif et c'est première fois que yo même yo wè que la même pays la Russie actif nan niveau ça malgré on nan gen Ukraine nan, nan Atlantique là. Lorsque nous considérer quatre mondes là, nous gen océan Atlantique devant nous là, n'après que Afrique, Amérique, mesdames messieurs, on parti sur Europe. C'est vrai que li pa ban nou trop détails. Nous capables de considérer la présence qui est active dans l'océan Atlantique. Là. Nous capables de considérer, mesdames, messieurs, que la Russie a une présence qui est active sous le continent américain. Par rapport avec la présence dans l'océan Atlantique. Là. C'est-à-dire que la Russie a un gel sous les États-Unis d'Amérique. Il y a un gel sous l'ennemi qui est dans l'Amérique. Là. C'est vrai, par bon côté, les États-Unis d'Amérique. M'pensez yo fait inverse là, en pile surveillance sous la Russie, mais tout la Russie gagne sous yo. Très souvent, lorsque n'a pensé avec un éventuel conflit entre deux pays sa yo, c'est bon pareil qui facile. Parce que les États-Unis d'Amérique connaissent qui sont la Russie. Et yo connaissent que la Russie a suivi yo. Et yo connaissent présence la Russie dans zone nan. La Russie très actif. Et possibilité sous-marin sa yo, c'est sous-marin nucléaire qui yoye. Possibilité, c'est sous-marin nucléaire qui toujours actif, qui poste dans zone nan la. Mesdames, messieurs, nous capables constater niveau danger qui gagne entre deux pays sa yo, les États-Unis d'Amérique et la Russie. En bon créole, nous capables dire bagay yo papi yay. Yo papi yay pour États-Unis, yo papi yay pour la Russie tout. Nous capables dire comme ça. Tous les deux si veyoun la. Mesdames, messieurs, déclaration générale, Kavolia intéressant. Li intéressant, mais ça qui un peu capable étonner un peu le monde. Jean que général l'a parlé là, c'est vrai que la Russie li fait déficit, il perd un pile soldats, un pile matériel, mais pas gagné réellement yon perte qui significative. Et kounya, nous capable dit. Lorsque Occident a poussé Ukraine face avec un pays comme ça. Tout d'abord, par contre, pour Ukraine gen zam munitions pour le goumen. Il faut le goumen. Mais seulement, est-ce que si Occident te poussé Ukraine plutôt vers une négociation pacifique pour capable gérer problème nan négociation plutôt, est-ce que le pata pi bon pour Ukraine lorsque au fin tande déclaration générale ça? Comment Ukraine, c'est vrai que guerre là autant Union européenne UDA nous connaît très bien son coalition liée kounya dans façon que conflit a fait nous connaît que UDA y a goumé tout mais pour bien être Ukraine après fin tande général là est-ce qu'elle pas ta pi bon c'est route négociation plutôt que Ukraine prend qui était capable résoudre problème dans quatre sous table essayez imaginer une seule fois comment Ukraine abat puissance de feu ça que la Russie gagne. Comment Ukraine
a finalement remporté une victoire militaire. M'pensais théoriquement son bagay impossible. Même penser sous négociation, mesdames, messieurs, en pile bagay possible. Malheureusement, allié Ukraine yo, sa poko priorité yo, en tout cas. Ces informations, ça, on te vle partager ensemble avec vous. M'a bien vite, rete connecté avec Zen Immigrant après t'aller comme ça. Pour l'autre sortie.